économiser et moins polluer, voilà l'objectif de l'opération Bande Essai Tracteur. Opération développée dans le secteur de Châteaubriant. Les exploitants agricoles sont invités à effectuer un bilan de santé de leur tracteur. Exemple aujourd'hui du côté de Moidon-la-Rivière. Donc là, c'est une opération Bande Essai Tracteur. Donc on passe les tracteurs au banc d'essai. On les attelle sur le banc par l'intermédiaire de la prise de force. Et on mesure également les consommations, donc ce qui nous permet de sortir les courbes caractéristiques du moteur, donc le couple, la puissance et la consommation. À partir de là, on peut détecter des dysfonctionnements sur le moteur, principalement pompe d'injection ou turbo ou autre, et donner des conseils de réglage ou de réparation. Et également, la deuxième phase, c'est donner des conseils par rapport à la conduite économique. Donc, puisqu'il est possible d'économiser 3,5 litres en moyenne à l'heure de travail. Donc, ce qui fait en moyenne sur l'année 1,7 litres, 1,8 litres possible de gains de consommation à l'heure. C'est une conduite responsable, mais c'est surtout une conduite économique. Donc en fait, adapter la puissance du tracteur aux besoins de l'outil. Aujourd'hui, on a des moteurs qui développent leur puissance à mi-régime, 1700, 1800 tours. Donc on n'est pas obligé d'être à régime maxi pour développer cette puissance-là. Oui, en une petite demi-heure, donc le diagnostic se déroule. L'opérateur branche, connecte la prise de force donc au tracteur et alimente le tracteur en carburant par des réservoirs du banc pour mesurer les consommations. Et ensuite, donc tout est géré au niveau de l'ordinateur. Le diagnostic en lui-même, le processus de diagnostic, et on récupère les données pour les traiter et les comparer le cas échéant avec les essais officiels lorsque le constructeur en a fait un. Il y a la partie explicative, donc du bilan moteur, des anomalies qu'on a pu détecter, et la deuxième phase, donc la conduite économique, donc à quel régime travailler dans les meilleures conditions en fonction des outils que l'on a derrière. Les réactions sont assez unanimes en disant c'est intéressant, justement on connaît bien les caractéristiques de son moteur. Bon, certains connaissent leur moteur pour l'utiliser au quotidien, mais ça permet vraiment de bien poser les choses et de mieux appréhender en fait le fonctionnement de son moteur et de l'utiliser au mieux derrière. Enfin, quand on achète un tracteur, oui, on donne une puissance. Il y a différentes normes qui donnent des puissances un peu différentes. Donc du coup, d'avoir un rapport, d'avoir le rapport puissance-consommation, ce qui est important. Maintenant, comme le mien arrive à 7000 heures, on a envie de savoir comment ça évolue, quoi. En général, ça évolue dans le bon sens. Les économies d'énergie, c'est surtout également ça. La finalité, c'est que avoir une plage de régime moteur à laquelle on est le moins consommateur de carburant. Donc ça peut être intéressant aussi, quoi. Ça va dans le bon sens. L'objectif est de diagnostiquer 300 véhicules d'ici fin 2011. Le contrôle est facturé 60 € hors taxe à l'agriculteur.